Grâce à programme appui ça, policière et policier bral bénéficier formation qui adapté à nouvelle réalité et puis qui permettre à gens yo vinn plus professionnel. D'après ça responsable yo fait connait Premier ministre Dr Ariel Henry qui t'a participé dans rencontre ça, t'es profité énumérer diverses qualités difficultés PNH l'a rencontré dans mission li. Chef gouvernement fait connait li essentiel pour yo faire recrutement massif dans police nationale là dans l'idée pour gagner une quantité agent en fonction accroissement population jeune homme international yo mandé ça. La PNH a besoin de formation continue pour mettre ses unités spécialisées en situation de répondre efficacement aux nouvelles menaces pour lesquelles elle n'était pas préparée. Plusieurs pays ont pris des engagements de participer à la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, soit en fournissant du personnel, des équipements, des moyens logistiques ou des moyens financiers. Dans l'intervalle, il incombe à la PNH d'assurer seule, avec les moyens dont elle dispose, la sécurité de la population. Sous Bopal, responsable bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti, Maria Isabella Salvador, a profité occasion ça pour un hommage à policières, policiers yo pour sacrifice fait dans cadre mission yo pendant le renouveler engagement yo pour aider à assurer sécurité et stabilité nation haïtienne. Il est donc essentiel de continuer à investir massivement dans le renforcement des secteurs du système sécuritaire et l'accent doit être mis en particulier sur l'expansion et la professionnalisation des forces de police ainsi que sur l'amélioration du système judiciaire et correctionnel. Directeur général AI Police Nationale, la France Elbe remercie Patnel yo pour support yo poté by PNH la. Li renouvelé détermination au commandement pour mettre en application formation yo dans l'idée pour travailler la CAPI efficace. Ces réalisations vont contribuer aux efforts du gouvernement dans la poursuite d'une transformation significative de la police nationale d'Haïti adaptée aux grands défis actuels de sécurité. Représentant programme Nations Unies, Xavier Michon. Pour côté PAL, fait qu'on est. Comité pilotage ça a visé renforcer capacité police nationale là, qui a fait face à diverses qualités de défis dans le cadre de mission li, et spécialement la criminalité qui a répété chaque jour. Actuellement, le programme a atteint 28% de ses objectifs, avec le volet infrastructure représentant plus de 40% des délivrables actuels. Et nous avons plusieurs études qui sont encore en cours de développement. États-Unis, Canada, Allemagne, Japon, Union européenne, BINU, NUD, c'est ensemble partenaires internationaux qui supportent le programme renforcement capacité PNH là à travers formation spécialisée pour une police professionnelle pour servir population.